So for you to be able to worship. L'histoire commence avec l'Égypte. The story begins with Egypt. Israël était en Égypte. Israel is in Egypt. Et Dieu décide de libérer Israël. And God decides to set free Israel. Il choisit Moïse. And he chose Moses. Excuse-moi, tu m'as donné combien de minutes? 30. C'est bon. Merci. Il faut que je respecte le temps. I have to respect time. Alléluia. Amen. OK. Dieu envoie Moïse en Égypte. God sent Moses to pour libérer Egypt les enfants d'Israël. To set free the children of l'objectif Israel. L'objectif de Dieu c'était quoi? The goal of God was what? Pour qu'Israël vienne l'adorer. For Israel to come and worship him. Alors écoutez bien aimé. So listen to this. Dieu ne nous sauve pas. God did not set us pour rester assis. To remain seated. Dieu nous sauve. God saves pour us l'adorer. For us ça, to worship c'est le premier him principe. That is the first deuxième principle. Principe. The second Dieu principle. Dieu nous sauve God pour us le servir. To serve him. Deux principes. Two principles. Deux objectifs. Two goals. Quand Dieu sauve un adultère, when God set free someone c'est pour que celui-ci vienne le servir, l'adorer. To come and worship ça, him. Un, that is the first. Deux, and the second. Le servir. To serve him. Donc c'est pour dire. That means. Si tu es assis. That if you are seated. Tu ne fais rien dans cette you assemblée, are not doing anything in this assembly. Tu ne vaincras jamais tes démons. You never win over your enemies. Or your demons. Il y a d'autres délivrances que tu auras. That there are deliverances that you will see. Tu apprendras à only servir the day Dieu. You will learn how to serve God. Tu l'adores, c'est bon. That you worship him, that's mais good. Au-delà de l'adorer. But above and beyond ajoute aussi quoi? Him, le service. You must add the service to the house of the Lord. À la chaîne, on ne te voit pas. To the worship, au veillé, to the morning on prayer, ne te voit we don't pas. See you. Il y a même une retraite à la fin de semaine, on retreat, ne te voit pas. We do not see you. Mais toi, tu vas faire servir Dieu en quoi? In what can you serve God? Même au protocole, on even ne te voit pas. Ashes, we don't see à la you. Sécurité, in tu security, veux servir Dieu où? We don't see you. Where do you serve God? Tu n'es pas ici pour t'asseoir comme un you spectateur. You are not here to sit as a spectator. Tu n'es pas ici pour you être un spectateur. To be a spectator. Tu ne seras jamais délivré you si tu es spectateur. You will never be delivered if you are a spectator. Je servais le Seigneur dans ce ministère. I was serving the Lord in this ministry. J'avais un problème dans mon foyer. And I had an issue in my marriage. Ma femme n'était pas engagée. My wife was not engaged. On avait des compréhensions qui n'ont ni tête ni queue. We had lack of understanding that I had no head no tail. Il suffit seulement que je pose la question. That I needed only to ask a question. Qui a mis cette bouteille ici, who là? Who put this water bottle here? On va faire trois jours avec ma femme sans se parler. And 3 days we will go without talking. Quelqu'un m'entend? Somebody listening to me. Et cela s'est passé à chaque fois que le Seigneur venait de m'utiliser puissamment. And that happens every time God used me powerfully. Le diable m'attendait où? And the enemy would wait for me where? C'est moi qui étais engagé, ma femme n'était pas engagée. And I was the one who was engaged and my wife was not engaged. Je pouvais divorcer. I could be divorced. J'étais encore trop jeune que ce que I was still young than I am today. J'ai 37 ans de mariage avec elle. I have 37 years of marriage with her. Et à cette époque, nous étions encore dans les 10-15. And in that time, we were still in 10-15 years of marriage. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? I said, Lord, what is happening? Dieu m'a dit, Kabeya, continue à me servir. The Lord said, continue to serve moi, me. Moi, je m'occuperai de I toi. Will take care of your wife. Bien-aimé, il y a des délivrances que there tu are auras. That you only have. Si c'est ta femme, dis à ta femme. If écoute it's your wife, tell your wife, listen si to what lui, chérie, if it's your husband, là. Tell your husband, listen to what God is saying. Bien-aimé, beloved, c'est très important de comprendre it cela. Is crucial to understand Dieu this. Ne te sauve pas that God does not save you pour que tu sois spectateur. For you to be a spectator. Moïse est allé très loin avec Pharaon. Moses went far with Pharaoh. Au verset 20, la Bible dit, in the 20th verse, the Bible Dieu says Moïse, that God told Moses moi, Dieu, that I, j'endurcirai le cœur de Pharaon. I will harden the heart of Pharaoh. Ça veut dire quoi? That means le combat que tu as, that the warfare that you fois, have faut discerner ça. That sometimes you have to discern c'est pas seulement les démons, that it is not only the demon. C'est Dieu qui est l'auteur it de ce is combat. God who is the author of that difficulty. Dieu dit, je vais faire quoi? God said what? I will do what? Mais il envoie Moïse aller libérer les enfants d'Israël. But he sent Moses mais qui endurcit le cœur de Pharaon? So who is hardening the heart of Pharaoh? Comment il peut être contraire lui-même à sa parole? How can he be contrary to his own word?
Nous aimons beaucoup la gratuité. That we love things that are free. Or things that même Dieu easily. Ne donne pas gratuitement. That God does not give freely. Tu cherches le mariage, tu that you jamais looking, gratuitement. For marriage, you will not find it freely or easily. Il faut payer un you prix. Must pay a price. Bien aimé, quelque chose que tu as payé un prix. Something that you paid tu a ne price permettras for, jamais le perdre en you un jour. Will never allow yourself to lose it a day in your life. Même le travail. That even your work. Même les papiers de ce pays. That even the papers of this country. Que tu as eu en souffrant dans le jeûne et prière. In prayers and fasting. Tu ne permettras jamais le gaspillage. You never allow yourself to lose it just like that. Une voiture que tu as achetée avec la sueur de ton front. That a car that you bought with the sweat of your forehead. Même pour céder le volant à quelqu'un, ça sera difficile. Even for you to give the car to someone to drive, pourquoi? It will be difficult. Why? Parce que tu as quoi? Because you suffered. Mais quelque chose pour lequel tu n'as pas réussi. But something that you did not work hard for. Un mari que tu as ramassé, c'est le a husband that you just took from somewhere. Tu ne t'occuperas même pas de lui. You will not even take care of him. Frère, tu m'entends? Brother, you listening to me? Si cette femme-là ne s'occupe pas de toi, comprends seulement if que... the wife does not take care of you, understand that you are... Azoyo boyega. Et ça, il n'a pas quoi? Elle n'a pas souffert. She did not suffer to have il you. La passe. The marriage that you suffered. Tu ne peux pas permettre n'importe qui venir jouer. You will not allow anyone just to come in and destroy it. Les mamans, est-ce que vous m'entendez? Women, are you listening to me? Raison pour laquelle maman l'a dit mis son gars. That is the reason why our mother said, keep your eyes open. Ah, frère, fais-moi pardonner. It's okay. Dans les lingala. No. Come on, man. Forgive me, please, my son. It's okay. Okay. Ça va venir. I go to preach in French now. Amen. No problem. Des fois, quand je prêche dans un milieu où il y a les lingalafons, j'aime parler aussi les lingala pour que les gens me comprennent. Sometimes when I speak in a place or preach where there are people who understand lingala, I try to express myself so that they can understand me clearly. Parce qu'il y en a d'autres, le français les dépasse complètement les mots que nous utilisons. Others who are not able to understand French clearly like bien the aimé, way we speak in lingala. Quelque chose que tu reçois gratuitement. Something you receive tu freely. Tu ne pourras jamais le conserver. You can never keep it. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking into someone? C'est comme ça que Dieu ne voulait jamais. That is how God did not want que les enfants d'Israël jouent avec la bénédiction qu'il va leur donner. The children of God of Israel to play parce with the blessing that he would give them. Parce qu'ils de l'Égypte vers Cana. To free them from Egypt to Canaan. Où coule le lait et le miel. Where the milk and honey flow. Même là où coule le lait et le miel. Yeah, even where the honey écoutez bien aimé. And milk quand flow. Tu lis dans le livre de Josué chapitre 14 au verset 1 if you à live, 12. Read in Joshua 14 from Caleb vient voir Josué. That Caleb. Caleb came to see Joshua. Il dit à Josué. He said to Joshua. Donne-moi cette montagne. Give me that mountain. Où l'homme de Dieu a prophétisé sur where moi. The man of God prophesied. Il a dit cela sera mon héritage. He said that it will be my tu heritage. Sais qu'il y a les fils d'Anak. That they are the sons qui sont of là-bas. That they are there. Les géants. The giants. Or, les fils d'Anak. The sons of Anak. Ce sont les géants du monde entier. They are the giants of the world. Le pygmée dans cette race-là. That the short men in this country in that country. Il a 2 mètres de taille. They have 2 meters of height. Le pygmée a 2 mètres de taille. 2 meters of height. Alors le plus grand a quelle taille? The highest, how tall are they? Dites amen. Say amen. Même Caleb, that even Caleb, qui avait la prophétie, who had the prophecy, il dit donne-moi cela. He said, give même s'il y a des villes fortifiées, that même s'il y a des grandes cities, puissances là-bas, comme j'ai la promesse de Dieu, I have the promise of God, je vais prendre ça. I will take it. Dieu God ne donne jamais quelque chose gratuit. Never give something freely. Alléluia. Dieu dit à Moïse. God told Moses, j'endurcirai le cœur de Pharaon. I will harden the heart of Pharaoh. Pharaon appelle Moïse. Pharaoh called on Moses. Viens ici. Come here. Mais vous là, qu'est-ce qui se passe? For you, what is going on? Moïse dit, Moses said, j'ai reçu mandat. I have received the mandate d'amener ce peuple to bring these people out de l'Égypte of Egypt pour aller adorer to Dieu. Go worship God.
Pharaon dit, Pharaoh said, vous n'avez pas le droit de sortir. You have no right to leave. Demandez-moi tout ce que vous voulez ici. Là. Ask me anything you want. Le terrain là où vous voulez. The fields. Je vais vous donner ce I terrain. I will give them to you. Et allez-y là-bas. And you can go there and begin to worship your God. Il n'est pas permis de, à nous là. He said it's not allowed for us to worship dans God un terrain étranger. In a strange a field or a place. Dieu nous a destiné that quelque God part. Destined us to a où place nous devons aller l'adorer. Where we must go and worship him. Je ne dois pas l'adorer ici. That we are not going to worship him here. Pharaon dit vous ne partirez. Pharaoh said you will not go. Vous les hommes. You can go with the men. Et vos femmes. And the wives. Les enfants et vos biens vont rester. The children and your goods will remain. Moïse dit tu ne me verras plus. Moses said you will not see me again. Il sort dehors. And he goes out. Il lève le bâton. And he lifts up his la staff. Il y ténèbres. The Bible said that was darkness. Dans tout l'Égypte. In the entire Egypt. Sauf à Goshen. But in Goshen. Où étaient les enfants d'Israël? Where the children of Israel were. Tous les 10 plaies que Moïse a frappées en Égypte. That all the plagues that Moses have put upon Egypt. Ça s'est passé dans tout l'Égypte. It happened in Egypt. Sauf but à Goshen. In Goshen. Et ça c'est le 8e. And that is the 8th plague que Moïse that a frappé. Moses has brought upon Egypt. Non, c'était la 9e. The second, excuse me. 9e plaie. 9th. 9e plaie. 9th plague. Et quand Moïse a frappé, that when he beat the il est parti. The Egypt, he Pharaon left, l'a cherché. And Pharaoh looked for him. Écoutez. Listen. J'ai dit je vais vous donner quelques secrets. I said I will give you a few secrets. Premier secret. First secret. C'est comprendre que Dieu m'a sauvé. Understand that God saved me. Pas pour m'asseoir. Not for me to sit down. Pour l'adorer. To worship him. Deux. Pour second, le servir. To serve him. Mais pour arriver à l'adorer. But for me to be able to pour arriver à le servir. For me to be able to worship or serve him. Il y a 3-4 choses. There are 4-5 things or 3-4 things. La première des choses. The very first thing. Si tu veux arriver à adorer Dieu. If you want to be able to worship God. Tu veux arriver à le servir. To be able to serve him. Tu es appelé à connaître la parole de Dieu. You are called to know the word of God. Dieu se révèle par sa parole. God reveal himself through his word. Tu es appelé à connaître sa parole. That you are called to know his word. C'est la raison pour laquelle au ministère. That is why in the ministry. On a installé les enseignements. We have teachings and training. Pourquoi? Why? Parce que c'est à travers les enseignements que tu connaîtras qui est Dieu. That you will know qui est celui que tu viens adorer. Who is the one you are coming comment to Dieu délivre. How does he deliver pour que tu puisses l'adorer. For you to worship mais si toi him. Tu ne viens pas aux enseignements. But if you do not come comment to the tu connaîtras training, celui que tu viens how adorer. How you know the one you want to worship. C'est comme ça que Jésus a dit à la femme samaritaine. That is how he told the vous Samaritan adorez woman, ce que vous ne you connaissez worship pas. The one you do not know. Alléluia. Amen. Tu dois connaître pourquoi you tu viens. You must know why and mais who you are worshiping. Cela, but for you tu to as besoin do so, de la connaissance de la parole. Have the wisdom and the knowledge of the word of God. Pour servir Dieu, to serve tu as besoin God, de la connaissance de la parole de Dieu. The knowledge and the wisdom of the word of, deuxième the word of des God. Choses, second thing, pour adorer to worship et servir Dieu, and serve God, tu as besoin you need de la prière. Prayer. La prière prayer nous amène brings us à aimer Dieu, to love God, à connaître Dieu, to know God. Écoutez, listen, Dieu nous parle God speaks to par us sa parole through his word, et nous, and us, nous parlons à Dieu for us we par speak to la God prière. Through prayer. Hallelujah. Quand on t'invite à la prière, when you are called to come to prayer, that means viens dialoguer avec come Dieu. And dialogue with God. C'est la raison pour laquelle nous avons multiples types de prières. That is the reason why we have multiple types of prayer in the ministry. Nous avons des chaînes de prière. We have morning prayer. Nous avons des retraites. We have retreats. Nous avons des veillées agressives. We have a night vigils. Nous avons les prières de FF. We have FF prayer. Pourquoi? Prayers. Why? Parce qu'à travers tous ces problèmes, all through the issues and tu peux venir parler à you Dieu. You come and dialogue with God. Mais toi, tu n'aimes pas la prière. But you do not like prayer. Comment veux-tu avoir la victoire dans ce how do you want to have victory over your problems? La prière prayer nous libère sets us free de tous nos comportements néfastes. Of all of our habits. La prière libère celui qui prie. It sets free the one who is praying.
Toi qui prie là, the one who is praying, prière va commencer à te délivrer de tous les comportements qui prayer will begin to deliver you from your attitude and habits. Les malédictions qui sont là vont tomber. The curses over you begin to fall to the side. L'orgueil qui est en toi va tomber. The pride will fall to the side. Les critiques, les murmures qui sont en toi vont tomber. And everything in you will fall through what? Prayer. Parce que plus tu pries, because the more you pray, plus tu vas chercher la sanctification. The more you seek sanctification. Parce que toi-même, hein, because you yourself, tu seras gêné. You will be lundi à la chaîne de prière, Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais critiqué la sœur. Monday at prayer, you come and say, le soir Lord, à la prière, Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais critiqué la sœur. Forgive me because I criticized this lady. Plus tu vas prier, the more you pray, tu vas commencer à te sentir toi-même mal. The more you feel yourself, comment je tombe toujours dans les mêmes erreurs. Why do I always fall into the same? C'est pour ça que la Bible dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu vas la chercher où? Dans la prière. Seek sanctification through what? Prayer. Hallelujah. Dans la prière. Through prayer. Dites amen. Say amen. Troisième des choses. Third secret. Pour adorer le Seigneur. To worship God. Pas seulement la parole. Not only through the word. Pas seulement la prière. Not only prayer. Troisième chose. Third thing. Le respect du sacerdoce. The respect of the leadership. Dites amen. Amen. Il y a quelque chose qui fait que il y a beaucoup d'entre nous ici. There are things that lead us, many of us, du combat spirituel, in the Christian spiritual warfare ministry, ne peut plus avancer. For us not to go forward, même la délivrance, that even deliverance, de beaucoup de gens est bloqué. Many people are par blocked manque du respect du sacerdoce. Due to the lack of respect to the leadership. Qu'est-ce que le sacerdoce? What is the leadership? C'est le ministre que Dieu a élevé. It is a minister that the Lord has put be above us. Dites amen. Say amen. Bien-aimé. Beloved. Moi qui vous parle, je suis. For I am really speaking to you. Un théologien de formation. I'm a theologian of formation, and I'm still being trained. Je suis en train d'aller en Afrique de l'Ouest. I'm going to West Africa. Pour prendre mon diplôme de doctorat. To receive my doctorate diploma. Acclame bien. Alléluia. Amen. Et quand nous étudions la parole de Dieu en profondeur, and when we study the word of God in depth, nous voyons le mystère qui est caché dans le respect du sacerdoce. We see the hidden mystery in the respect of the leadership. Dites amen. Say amen. Arrêtez l'hypocrisie. Stop being hypocritical. Il y a beaucoup ici. There are many. Il y en a d'autres même au ministère. There are others in the ministry. Ils sont en train de mourir célibataires. They are dying without getting married. Par manque de quoi? Due to the lack of respect of the leadership. Viens, je vais te montrer. Come. Mets-toi à genoux. Kneel. Elle a des problèmes. She has issues. Elle vient me voir. She comes and see me. Pour que je prie pour for elle. Me to pray for her. N'est-ce pas vrai? Isn't that true? Il y a trois choses. There are three things. Pour que le miracle s'opère dans sa for the miracle to operate itself in his life, in her life. Est-ce qu'elle reconnaît que je suis un oint de Dieu? That she acknowledge that I'm an anointed of God. Deux. Second. Est-ce qu'elle me respecte? Does she respect me? Alléluia. Amen. Trois. Third thing. Est-ce qu'elle croit en la parole de Dieu? Does she believe in the word of God? Voilà là où vous tirez votre malédiction. That is where you bring curses upon yourself. Tu es la première personne à parler mal contre les serviteurs de Dieu. You are the first to speak badly about the servant of God. Et tu es la première. Papa, prie pour moi. And you are the first to come and kneel for you to be prayed upon. Quand moi je mets la main sur toi, when I put my head upon you, toi tu as parlé mal contre moi. You spoke je badly about pas me. Là. I was not there. Mais Dieu but God vu. Saw you. Les démons t'ont vu. Demons also saw you. Quand maintenant je vais imposer ma main now sur when toi, I put my head upon you, qu'est-ce que tu vas recevoir? What will you receive? Bénédiction ou malédiction? Blessings or curses? C'est comme ça maintenant vous poussez les serviteurs de Dieu à devenir menteurs. That is how you push the servants of God to become liars. Comment? How?
Parce qu'il a prié pour toi. Because he prayed for you. Tu n'es pas tombé. And you did not fall. Il y a pas de manifestation. There is no manifestation. Or tu oublies que toi-même tu parlais mal contre lui. You spoke badly about him. Déjà à cause de ça. That because of ça that. Ça cause quoi? There is a blocage. Blockage. Rien ne peut se produire. Nothing can take place. Est-ce quelqu'un qui m'entend? Somebody listening to me. Rien ne peut se produire. Nothing can take place. Et maintenant tu vas sauter à papa n'a plus d'onction. And now you say, oh, he doesn't have any more anointing. Et aujourd'hui vous croyez que pour que quelqu'un prie pour toi que tu sais qu'il a l'onction, il faut que tu tombes. And today you think that before you know that somebody has an anointing, you must fall to the ground. L'onction n'est pas dans les tombés. The anointing is not in you falling or not. C'est comme ça maintenant il y a des pasteurs. That's how there are pastors. Ils t'imposent la main. They put their hands on au you. Au lieu de t'imposer légèrement. Instead of doing it slowly, they will push you. Dites amen. Say amen. Moi dans mes réunions, j'interdis aux gens de tomber. For in my dans mes in my seminars, partout je vais dans le in monde. My conference, j'annonce déjà, je te dis là où je prêche, là aujourd'hui il y aura délivrance, mais I ne said, tombe pas. Today there will be deliverance, but you parce better not tu as beaucoup fall. Tombé, on a because rien you vu. Fall all the time, but you fail, but you did not le receive anything. De tomber, que quand tu tombes, quand tu te relèves, falling, il faut qu'il y ait un miracle dans ta vie. Back up, you have mais to si il y a rien qui change, ne tombe pas. Nothing, nothing ça c'est une mascarade, ça vous venez nous tromper ici là. You should not come and il y a, fall here. Il y a des gens, chaque us. Séminaire, ils tombent. Chaque retraite, ils tombent. Every retreat, every seminar, they fall. Je ne prie même pas. I'm not even going to pray. Stand up. Dites amen. Say amen. Écoutez, la Bible dit. Hein, Bible says. Voici les miracles. These are the miracles qui that will follow them. Ceux qui auront cru en mon nom, in my name, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront quoi? And the sick will be what? Alors, écoute le secret. And listen to the secret. Ce verset-là that ne dit pas que tu prieras sur les malades. Does not say you ce verset pray upon dit qu'ils imposeront the quoi? Sick. He said they will put their cela hands veut dire, on the sick. That je means, l'impose ma main I will put my hand upon her pour que le miracle s'opère. For the miracle to happen, first, elle doit croire she must believe à la grâce de Dieu qui in est sur the grace moi. Of God upon deux, second, elle doit me respecter. She must respect me as a man of God. Respecter un homme de Dieu, cela veut dire quoi? Respect a man of tu God ne dois pas what? Parler mal des you hommes de Dieu. You must not speak badly about men of God. Say amen. Tu ne dois pas parler mal. You must not speak badly about them. Dites amen. Say amen. Tu ne dois pas parler mal de you them. Must not speak badly about the people, the men of God, the chosen ones. Je suis allé en Angola. I went to Angola. A mission. In a mission. Les responsables sont venus voir maman. The leaders came maman, to see y a mama. Des problèmes là-bas. Oh, that there are issues maman there. Dit, papa Kabea, vas-y. He said, Papa Kabea, go. J'avais déjà le visa. I already have my visa. On paye l'avion. Je suis about dans l'avion. The ticket, I'm in the plane. On s'est entendu avec maman. And we, papa, yo moko yebi kuna batu. Ils n'ont pas la foi, prêche la foi. That they do not have faith, preach faith. Pendant que je suis dans l'avion. That I'm in the air. Les missionnaires. The missionaries. Envoûtés par qui je ne sais pas. Bewitched by who or what I don't know. Ils appellent maman. They call mama. Ils croient mentir à maman. That they try to lie to her. J'atterris comme ça. That I land. Oh papa, il faut appeler maman. Though you have to call mama, you have to call mama. Je regarde. Comme si je suis venu par moi-même. I said, it's as if I came by myself. Alors prenez le téléphone, c'est vous qui avez appelé maman. Take the phone. You said call. You call him. Call her. Hey, maman, papa Kabe vient d'arriver. Oh, maman, papa Kabe just arrived. Give her. Give him the papa phone. Papa Kabe, what happened? Il paraît le matin le message qu'ils ont prêché dimanche là, les gens étaient contents. Alors j'aimerais que vous continuez sur ce thème là. It's as if the message they preach in the morning, I want you to continue with that one because je people are happy with les it. Années que j'ai travaillé avec cette femme, in the times that I've worked with this woman, elle m'a jamais dit ça. She never told me that. Le Saint-Esprit me dit, il y a quelque chose de louche. The Holy Spirit told me there is something wrong there. Je dis, okay, donnez-moi les vidéos. I said, give me the videos. Le dimanche passé. Of last Sunday. On va à la technique. We go to the technique. Regarde les techniques, dit, on n'a pas de vidéos. I watch and they say they don't have any videos. Mais toutes les caméras qu'on a vues dimanche so en train de filmer sont. So all the cameras that you have, you have the videos. Dit, on ne sait pas, le message s'est effacé lui-même. They say the preaching erased itself. Je dis, okay. I said, okay. Alors, comme. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as prêché. Because dimanche. I don't know what you preached last Sunday. Je ne prêche pas. I'm not going to preach. C'est toi qui as prêché dimanche qui va prêcher. You preached last Sunday, you preach again.
Et là, écoutez-moi maintenant le système. Écoutez le problème. And listen to the issue. La personne qui a monté le coup comme ça. The person who planned everything out. C'est mon subalterne. He is under me. Est-ce que vous m'entendez? Someone is listening to me. C'est moi qui étais le coordonnateur de tous les missionnaires du fondation. I was the coordinator of all the missionaries of that place. C'est moi qui voyageais à travers le monde. Avant que même Maman Langi t'envoie, elle m'appelle là où je suis. Before Maman Langi will send you, she comes, she comes where you are. I person, want to send this person. Si j'ai dit non, tu if I said no, you will not go. C'était mon département à moi. And that was my department to et me. C'est la personne qui me monte un coup. And that was that est-ce que vous comprenez ça? Against me. Do you understand that? J'arrive. And I arrived. Je dis, tu vas prêcher. I said you will preach. Comme ça, je verrai par où entrer. So that I will see how I can enter la in. Même nuit, that very same j'ai night, tort. I slept. Et le Seigneur me révèle. And the Lord revealed to me. Dans la vision. In that vision. Je me vois moi-même. I see myself. Que j'étais dans une prière à jeûne à sec. That I was in a prayer fast, dry fasting. Maigrichon. And I was neglectful. Et j'avais besoin de quelque chose. Si pas j'allais mourir dans les minutes. I needed something and if I do not receive I would die. Je vois quelqu'un venir avec un plat où il y avait la bouillie. I saw someone came with a basket where there was a et je food. Lui demande s'il vous plaît. And they, I said please. Pour parler je parle. For me to speak I spoke. Mais pour manger impossible. To eat I was unable to. Dis, s'il te plaît. And I said please. Mets-moi une cuillerée seulement de la bouillie. Put me just one. Si pas je vais cook. Mourir. If not, I would die. Dès qu'il prend la bouillie pour as le mettre dans la bouche. Put the scoop in my mouth. Ma bouche fait quoi? My mouth ferme. Closes. Et je lui dis s'il te plaît. And I said, pince-moi ici comme on pince les enfants. Pince pour me here, pressure here, so bien I can open my mouth. Ça c'est dans le rêve là. And that is in the dream. Dès que le monsieur me pince as ici, he did it, les gencives du dessus et du bas tombent de ma bouche. Les dents. My teeth. Tout. All of them. Tom, they fell. Et se casse en petits morceaux. And impossible they broke into small pieces that were not able to be gathered together. Comme ça, and I woke up. I said, je commence à prier. I began to pray. Je commence à prier. I began to pray in that hotel room. Ce rêve devient trois fois. That dream came back three times. Je me réveille le matin. And I woke up in the morning. Je vais voir Papa Kafua. I want to see Papa Kafua. Qui était le chef de mission. Who was the chief of mission. Je lui dis, regarde ce que Dieu m'a dit. And I said, look at what God told me. Je me rends compte que je ne vais pas prêcher. I just now know that I'm not going to preach. Lui aussi me dit, papa. He said, c'est toi notre chef. You are our chief. Ce que Dieu te dit, tu fais ce que Dieu te dit. Whatever God tells you, you do so. J'ai dit à la sœur, prêche encore. I told the sister, prêche preach encore. Again, preach again. Elle a prêché jeudi, vendredi, samedi. She preached. Thursday, Friday, dimanche Saturday. Dimanche à la préparation d'adoration. Sunday at the preparation of worship. Il y a eu un imbroglio qui s'est créé. There is something that took place. Ceux-là qui l'avaient dit de prêcher là. Those who told her to preach. Qui avaient appelé maman. Come, se retourne contre elle maintenant. Stand against her. Est-ce que vous comprenez le combat? Are you understanding the warfare? On appelle maman. That they call mother. Oh Papa Kabe a refusé. Oh Papa Kabe, I do not want to pray. Does not want to preach. J'ai dit à maman, je ne peux pas refuser de prêcher, mais il y a un problème. I say I'm not going to refuse to preach, but there's an issue. Voilà ce que Dieu m'a dit look de le premier jour. God told me the very first day. J'ai dit ça à Kafua, ton jeune frère. I told Papa Kafua. Il pouvait te parler ça. He could have told you about Kafua it. Kafua parle, prend le téléphone là. Papa Kafua parle took the phone and spoke to il Mama. Regarde. And then explain maman everything. Dit, mais il fallait m'appeler. You should have called me. Bien-aimé. Beloved. Bien-aimé. Beloved. On ne combat pas quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Now, you do not war against someone who has the grace of God. Vous savez le manque de respect ce que ça paye. The lack of respect, you know what that creates. Vous savez le manque de respect ce que ça paye. The lack of respect, you know what that creates. J'ai pas parlé. I did not speak. Maman Langi m'a exigé de prêcher. Maman Langi told me I have to preach that je day. Je suis monté seulement par respect à elle. And I came just to respect for j'ai her. J'ai prêché. And I preached. Et pendant que je prêchais, while I was preaching, la responsable de Libreville était là. The leader of Libreville came. Elle a appelé maman, maman s'il vous plaît, je peux amener papa Kabe and called mama and said, can maman I bring dit, okay, him avec. to Libreville? Le lendemain, said, yes. Elle a pris mon visa. That same et mercredi nous étions dans l'avion. The next day she took my visa. Alors, and écoutez le manque de respect. In the plane and listen to this. Le mercredi que moi je prenais l'avion là. The Wednesday I was taking my flight. Il y a eu combat entre les missionnaires. There was warfare within the missionaries. Ils se sont battus. They warred or they fought. Dit, tout le monde retour à Kinshasa. And they said everybody come back to Kinshasa.
Et quand elle a dit tout le monde retourne à Kinshasa, when they told, she told elle appelle to les responsables locaux, elle a dit pas question d'avion, tout le monde par cargo. She said, do not take plane, but you have to take the bus. Ils ont pris le cargo de quitter Luanda, Cabinda, they pour prendre Luanda la route to Cabinda, and they would take the path to Kinshasa. Pendant ce temps, moi, je suis où? During that time, I was where? À Libreville. In Libreville. J'arrive le mardi, l'autre mardi, quand j'ai fini le travail à Libreville. And the next Tuesday, when I came back, je les trouve là-bas. Tout le monde, personne ne les reçoit. And I saw nobody was there to receive me. C'est là qu'ils commencent à venir me demander, qu'est-ce qui se passe? And that's when they asked me what happened. Bien-aimé, beloved, ayez du respect. Have respect. Envers les personnes que Dieu vous a établies. Towards the one that the Lord has put before you. Tu risques de bloquer quoi? That you risk to block what? Your own blessing. Si elle, that if she parle mal des serviteurs de Dieu, speak badly about the servant of God, c'est qu'on va l'imposer là. The c'est pas la bénédiction. It will not be a blessing. C'est la malédiction. It will be a curse upon her life. Et une telle malédiction. Ne part jamais si ce n'est que par un serviteur de Dieu. Will never go away. Il faut aller confesser. You have to go and confess. Pour que notre serviteur de Dieu enlève cela. So that another servant of God can bring it away from you. Alléluia. Amen. Laisse-moi terminer. Let me finish. Première des choses. First thing. Connaissance de la prière. Knowledge of prayer. Deux. Second. La parole, la prière. Trois. Le the respect. Word, prayer and respect. Quatre. Fourth thing. Tu ne peux pas adorer sans reconnaissance. You cannot pray without acknowledgement or recognition. Et Dieu ne peut jamais sauver quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. And God can never save someone who is not acknowledgeable. Cinq. Fifth. Pour arriver à adorer Dieu. To be able to worship Moïse God. Moïse dit à Pharaon. Moses told Pharaoh. Écoutez, Pharaon dit à Moïse. Pharaoh told Moses. Vous allez partir seulement avec vos enfants. You will go with your children. Vos biens vont rester. But your goods will remain. Moïse dit. Hein, Moses said. Même pas quoi. Not even. Un ongle. A nail. Même pas un ongle. Not even a name. Tu vas rester. Will remain here. Bien-aimé. Beloved. Apprenez à amener toutes vos familles à la prière. Know or learn how to bring all of your family to prayer. Ne laisse jamais personne chez toi qui ne prie pas. Never leave someone in your c'est house that do not pray. C'est une porte d'entrée du diable. That it is an open door to the enemy. Même si c'est les enfants. That even if it's the children. Amène-le là. Bring them here. Dites amen. Say amen. Moïse dit rien ne va quoi? Moses said nothing will remain. Même pas quoi? Not even a what? A nail. Mais le mal c'est quoi? Il y a des gens qui aiment venir à la prière. But there are people who do not want to come to prayer. Son mari n'est pas venu. Oh, my husband, the husband did not come. Sa femme n'est pas venue. The wife did not come. Les enfants ne sont the pas venus. The children did not come. Non. No. Maman, tu dois combattre. My mother, you have to war. Mon frère, tu dois prier. My brother, you must pray. Parce que plus eux restent à la maison, because the more they stay home, plus ils deviennent la porte d'entrée. The more they become an open door. Pour que le diable va commencer à t'attaquer. For the enemy to begin to attack you. Plus que j'amenais mes enfants à la prière. The more I brought them to prayer. Aujourd'hui. Today. Dans ma maison. In my house. Quatre prophètes. Four prophets. Mon fils aîné, c'est un prophète. My first son is a prophet. Mon deuxième fils, c'est un prophète. My second son is a prophet. Mon troisième fils, c'est un prophète. My third son is a prophet. Même mon cadet, le sixième even the last de mes one, enfants, the sixth of my children, est prophète. Is a prophet. J'étais avec lui à Lubumbashi. I was with him souvent in Lubumbashi. Quand je vais au Congo, comme ils sont encore au Congo, because this year are still in Congo, when quand I je go, suis invité au Congo, là, je voyage avec l'un d'eux. I travel with one of them. Cette fois-ci, j'étais avec le cadet. Last time I was with the last. Et là, je pars one. Avec lui en Côte d'Ivoire. And now I'm going with him in Ivory Coast. Et le pasteur qui m'a invité en Côte d'Ivoire, quand il a su que mon fils est prophète, il a mis aussi sur l'affiche que le fils va prêcher aussi. When he knew that he was a prophet, et quand je voyage avec eux, je le laisse aussi le micro pour prêcher. And then I also leave him the mic to preach. Dites amen plus fort. Amen. Tous mes enfants sont universitaires. All of my children have graduated from a university. Et tous mes enfants servent le Seigneur. And all of my children serve the Lord.
Dites amen. Say amen. Pourquoi? Why? Je les amenais because toujours à l'adoration. I was always bringing them to church. Même quand je n'avais pas de voiture. Like even when I did not have a car. J'ai monté avec eux dans les taxis bus. I would go with them in a taxi. On partait même sous la pluie à l'adoration. We would go even under the on rain. On partait sous la pluie à l'adoration. We would go under the rain quand nous étions encore au parc. When we were still on at the va park. Se mouiller là-bas. We will, et on sort. Hein? We will c'est moi qui ai conduit l'adoration. And know that un who jour j'étais mouillé jusqu'aux chevilles. Et un frère est venu me suivre. And a brother papa. To wash me and say, ton ministère là, t'as pas un corps de marcher à pied toi là. Your ministry does not have a body for you to walk. Il y a un temps pour toutes choses. There is a time for everything. Les voitures Dieu va donner. The cars will come. D'abord je marche à pied. Dieu doit voir comment je marche à pied pour lui. Même avec mes enfants, je marche à pied. Je suis avec à l'adoration et ils écoutent la parole de Dieu. Et aujourd'hui, and today. Dites amen. Say amen. Mon deuxième fils. My second son. Est en train d'aller en Suisse. Is going to Switzerland. Switzerland. Il est invité là-bas par les églises. He was called there to preach. Il part avec sa femme. Going to with his wife. Je suis déjà grand-père 4 fois. I have 4 grandchildren. J'apparais jeune, hein? I look young. Mais je suis encore fort. But I'm still avec strong. Le Seigneur. Bien-aimé, amène tes enfants à l'adoration. Bring your children to the worship service. Une maman à Kinshasa. A mother in Kinshasa. Parce qu'elle amenait ses enfants à la because she was bringing her children to worship. À la JCC. The children were in JCC. Son mari était sataniste. And the husband was Satanist. Et son mari, il devait faire un sacrifice. And the husband needed to make a human sacrifice to sacrifice a child. Et il arrive à la maison. Hein. And he got there. Il appelle sa fille. He called the daughter. Comme technique. As a technique pour sacrifier l'enfant. To sacrifice the child. Il pose la question à l'enfant. He asked the child. Peux-tu me conjuguer le verbe mourir au présent? Can you conjugate the verb die in present tense? C'est-à-dire quand vous amenez l'enfant, you know when même you, quand il joue là, you bring the Dieu children, leur donne le discernement. When they play, the Lord give them discernment. L'enfant répond à son père. The child papa, answer, s'il vous plaît, papa. Father, ce please, verbe father, là, that verb. L'enseignant ne nous a jamais enseigné. We were never taught si that. Tu peux toi-même répéter comme ça, moi if je vais can, répéter après if you toi. Can repeat, I will repeat after you. Or ce verbe-là veut dire tu vas composer comment? How you le how premier you personne, go, tu fais quoi? Je fais quoi? Ah. Dites, comment vous refusez de répondre non? Hey. Dites amen et plus fort. Amen. Dieu donne l'intelligence à qui? God à l'enfant. To the child. Pourquoi? Why? Parce que les parents, because la maman amenait l'enfant, même si papa ne venait pas. Maman amenait quoi? Children, even when the bien did not come, Moïse a dit, the children, nous Moses irons, said, we will leave nos femmes, our wives, nos enfants, our children, nos biens, our goods, nos brebis, our même nos esclaves, aucun fait, même pas un ongle ne va quoi rester. Not even the nail will remain behind. Ma femme, je l'ai amenée à la prière, même le jour. Elle va coucher le même jour on va à l'adoration. My wife, I brought her to prayer, even the same day she was going to give birth. Notre fille unique que nous avons avec elle, la the only daughter that we have, elle s'appelle l'adoration. She is called worship. Les contractions commençaient à l'adoration. The contraction began at the worship service. Les contractions ont commencé où? The contraction began where? Nous quittons l'adoration. We leave worship service. On arrive à la maison. We came home. Elle prépare, on mange. She prepares, we elle eat. Entre en salle de bain, se lave. She washed herself up. Maintenant, on va à la maternité. And then we said, now we can go. Et on arrive à la maternité. And we got there. On a trouvé des femmes qui ont fait 3-4 jours sans accoucher. We found women who were there. Elle était entrée directement. On she m'appelle, ta femme vient d'accoucher. And she said, hey, she just gave birth. J'ai dit, elle s'appelle l'adoration. And God said, dites amen plus fort. Say amen là. Pourquoi? Me. Les contractions ont commencé là. Amène-le là. Mon frère, amène ta famille à la prière. Pour que Dieu agisse. Pour que les problèmes s'arrêtent. Les incompréhensions s'arrêtent. Les blocages s'arrêtent. Quand tu amènes toute la famille là, par la prière, le Dieu du combat. Mets-toi debout. Stand on your feet. On va adorer le Seigneur. We are going to worship the Lord. Donnez-moi un cantique s'il vous plaît. Give me a worship. Oh, hallelujah. Give me a worship. Donnez-moi un cantique, on va adorer le give Seigneur. Give me a worship, let us worship.
Si tu vas te coucher, couche-toi par terre. If you want to lay on the floor, go ahead and lay on si the floor. Si tu vas t'agenouiller, agenouille-toi. If you want to kneel down, go ahead and kneel down. Oh, nous sommes venus le célébrer. We came to celebrate. Quel est Dieu de Moïse? The God of Moses. C'est Dieu là qui a donné la victoire à Moïse sur Pharaon. The God who gave victory to Moses. Il donne la victoire sur tous les combats que tu as ce soir. Que la maladie disparaisse dans ta maison. Que les blocages disparaissent dans ton foyer. Que la pauvreté tombe. Parce que Moïse a dit, même pas un ongle n'est pas resté. Il a amené même sa porte-monnaie à l'église. Il a amené sa porte-monnaie à l'église. Il dit, je vais aller adorer le Seigneur. Avec quoi? Même ma porte-monnaie. I will go with my wallet. Hallelujah.
Bamba Kona Zambe. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Bamba Jesus. Alleluia. Alleluia, Bamba Zambe. Alleluia, Alleluia. Kolo no mabuya sika to bonzeli oe. Alleluia. Alleluia, 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 Yo batelinga, tika ngay na yemba. Alleluia.
fi ngai na yebi ngai na kolonga e papa na yemeli monene na yo na yebi okosala papa na ngai yamba lokumu devant de toi.
l'agneau de la rédemption, c'est toi, oh Jésus. Merci, oh Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Thank you for your love. Merci de nous avoir parlé ce soir. Thank you for speaking to us this afternoon. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Thank you for speaking to our hearts. Merci. Contemplons la gloire d'Emmanuel. Let us contemplate the glory of God. Il n'y a que lui qui peut nous donner la possibilité, la force de mettre ces choses en pratique. He alone can give us the ability, the possibility to walk.
te bénissons, Seigneur. Te glorifions pour ton amour infini. We glorify you for your infinite love. Toi qui nous as sauvés pour que nous t'adorons. You who saved us for us to worship you. Toi qui nous as sauvés pour que nous te servions. You saved us for us to serve you. Et ce soir, tu as voulu. This afternoon, you desire donner les principes à respecter pour t'adorer et te servir. To worship and serve you. Comment ne pas t'adorer? How can we not Comment serve ne pas you? T'élever? How can we not lift Comment you ne up? Pas t'exalter? How can we not exalt you? Notre reconnaissance à ton égard, Seigneur. We acknowledge you, Lord. Est tellement profonde. It is profound. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur et moi. That is why my brother, my sisters and I. Voulons t'acclamer. We want to put our hands together. Et te célébrer. We want to celebrate. Car tu es le roi des rois. You are the King of Kings. Tu es le Seigneur you are des the Lord of Lords. Tu es le roi des rois. You are the King of tu es le Seigneur des you Seigneurs. Are the Lord. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Honneur à toi Jésus, que toute la gloire te soit rendue, que les acclamations te soient rendues, que des cris de joie te soient rendus, car tu le mérites. Au nom de Jésus. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je suis béni. Tell your neighbor, I am blessed. Je ne demanderai pas qui était béni ce soir. I will not ask who was blessed this afternoon. Mais j'aimerais que tu te dises à ton voisin. But I want you to tell your neighbor. Je suis béni. Say neighbor, I am blessed. Faut lui dire avec assurance. Tell your neighbor, neighbor, I am blessed. Je suis béni. I am blessed. Je suis béni. I am blessed. Amen, amen, amen. Amen, amen, and amen. Que Dieu bénisse. May God bless. Le patriarche. The patriarch. Mzee. Amen. Amen. Prochainement, lorsqu'il va venir. Next time when he comes. Notre frère Kevin va s'organiser. Our brother Kevin will organize himself. Avec toute son équipe. With his team. Parce que j'aime lorsque. I like when papa, our father lui-même conduit l'adoration. He leads worship. Je me souviens. I remember à ces époques-là. In those times. Ça bougeait fort. Ah. Alléluia. Amen. Et la louange. Even praise. Et n'oublions pas de veiller. Even night vigils. Alors notre prière est que prochainement lorsqu'il va venir. So that our prayer is that next time when he comes. Il ne viendra pas seulement he will not come le dimanche. On Sunday, mais nous allons commencer vendredi. But we will start on Friday. Forte veillée. A big and huge night et of samedi, prayer. And Saturday, grande journée. A great day of et le prayer. Maintenant, and then on Sunday, on atterrit avec l'adoration. We will land with our worship service. Amen. Amen. Ça fait du bien lorsque nous revivons encore. It is good when we relive. Ces moments, this time, ces genres des enseignements, of teachings and trainings. Ça c'est un enseignement. It is a teaching, not a preaching. Amen. Amen. Et ça nous aide à grandir. It helps us to grow. Je crois que le siège d'Aurora ne restera pas I believe comme on that était. The branch of Aurora will not Après remain cet enseignement. As we were After this Les preaching, choses vont changer. This teaching, things et nous will aurons change. Des témoignages. And we will have testimonies et nous allons parvenir à l'homme de Dieu, notre très cher papa. And it will be known to our beloved father. Amen. 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 Rapidement, avant que je laisse la place à notre sœur pour clôturer la prière. And before we close with our worship service this afternoon. Nous allons demander à toutes les mamans We will ask all the mothers qui toute la semaine who throughout the week étaient were connectées à l'intercession the intercessions of those who cry out to God de préparer leurs actions de grâce to prepare their thanksgiving or offerings et pendant qu'ils préparent leurs actions de grâce as they prepare their thanksgiving offerings les actions de grâce pour les mamans pleureuses ils vont les déposer du haut de cet hôtel. They will put it upon the altar. Et en même temps. And at the same time. La vie, l'heure, nous allons demander. We will also ask. Des constructions.
the, our fathers of construction, de nous excuser pour ce soir. To excuse us this on va nous mettre day, le panier pour la we will construction. Just put the basket for our contributions. Nous allons déposer les contributions the contribution pour la construction. Of construction in the basket. Panier. Bien. Le panier. Et les actions de grâce. And the thanksgiving offerings pour la pleureuse. For the women who cry out to the Lord. Du haut de cet autel. Upon the altar. Là, je parle ici. I'm speaking of the altar. Et non, les ouvriers qui étaient à la retraite. And those who were at the retreat of the nos engaged. Nos actions de grâce, nous allons les amener ici. Thanksgiving, we will bring it donc, here. Donc, nous allons faire les trois services directement. So the three services will take place at once. Pour aller vite. So that we can conclude. Alors, nous allons demander à notre papa. We will ask our father. De bénir. To bless the people of God. Nous avons pleuré, les mamans ont pleuré toute la the mothers semaine. Cry out throughout the week. Dans le cadre de pleureuse. Et ce dimanche, ils apportent leurs actions de grâce à l'Éternel. Cry out to the Lord and they are bringing their thanksgiving offering. Voyez notre belle salle que nous avons. You see our beautiful place nous sommes that we de l'embellir de plus en we plus lorsque vous allez venir prochainement. You will find it as much as we can. Alors, le comité de construction so est en train de construire. Nous allons apporter nos actions de grâce. Et le week-end, nous étions à la retraite avec tous les ouvriers, tous les serviteurs, servantes de Dieu. And we are at retreat with all those who serve the Lord. Nous avons prévu aussi nos actions de grâce. We also have thanksgiving offerings. Nous allons demander une prière de we bénédiction. Ask a prayer of blessing pour nous. For us. Amen. Amen. Vous savez, you know, ce que vous êtes en train de faire, what you are doing, j'aimerais dire à quelqu'un I de want ne to pas tell someone, murmurer. To not murmur. Not to murmur. Va lire Luc chapitre 7. Read Luke chapter 7. La Bible déclare. The Bible says. Le centenier. The centurion. L'histoire du centenier. The problem, the story of the centurion. Son ouvrier a été guéri. A worker was healed. À cause de ce qu'il a fait dans la maison de Dieu. Of what he did in the house of God. Il y a d'autres prières. There are other prayers que tu feras that you would do à cause de ce que tu fais. That because of what you are doing. On parle de la reconnaissance des pleureuses ici. Speaking of the acknowledgement of on parle de la those who construction cry out du God, temple de Dieu là-bas. The construction of the temple on parle of God, de la reconnaissance des ouvriers ici. And those who are at the retreat un peuple reconnaissant. A people who acknowledge c'est God, un peuple qui expérimente la puissance de Dieu. Are people who experience the power of God or the might of God. Ça dans mon église il y a un mois. I have preached that in my church. It's been et a le month. Thème que Dieu m'a donné, c'était and the theme that God gave me was comment Dieu peut-il demander l'offrande à son peuple qui est au désert? How can God ask an offering to his people who are in the wilderness? Israël était où? Israel were what? Where? Dans le désert. In the wilderness. Et c'est là que Dieu dit apportez mon offrande. And that's how God asked them. Est-ce que ça s'explique? Offering. How does that make sense? Pendant que la manne chaque jour c'est Dieu qui le donne. That where manna was falling from heaven daily. Pour qu'il mange, il faut que Dieu fasse quoi? Mais Dieu dit pendant que vous êtes dans cette souffrance là, offrez-moi. God told them offer to me. J'avais enseigné cela à mon église. I taught that in my church. A amené les membres de mon église à une autre dimension à comprendre. And God brought my people to a higher dimension of understanding. Et la Bible, j'aime beaucoup le verset de Paul en Corinthiens. And I love the scripture of Paul in Corinthians. Chacun donne selon qu'il a résolu that en son cœur. Each of us give as we have decided in our hearts to si give. Si tu n'es pas convaincu, that if you are not convicted, ne donne pas. Or convinced, do not give. Dites amen. Amen. Personne ne va murmurer contre toi. No one will murmur. C'est ta relation you. Entre toi et qui? It is your relationship between si tu God n'es pas and quoi? You. If you are not, à bon entendeur, salut. Si tu n'es pas convaincu, if you are not convinced, ne donne pas. Do not give. Et ne murmure pas. And do not also murmur. Tu n'as pas aussi, ne murmure pas, glorifie. You do not have, do not murmur. Le jour où tu auras, tu vas quoi? The day you have, you will do what? You will give. Parce qu'il y a un mystère. Because there is a mystery. Donner comme tu as résolu. Paul dit ça aux Corinthiens. Give as you have decided que chacun donne comme il a quoi? Résolu dans son cœur. Resolved in your heart. Moi, c'est le moment où j'ai toujours dit, je ne force jamais personne. I never force anyone. It is the time that I don't force anybody. Parce que c'est l'une des occasions auxquelles that it is an occasion beaucoup de gens ne connaissent ce mystère. That many do not have the understanding of that laisse-moi mystery. Vous donner ce secret. Let me give you this dans secret. Une
In a minute. Voilà, tu as ton enveloppe dans la main. You have your envelope. Tends cette enveloppe comme si tu me donnais. Viens ici pour que les gens voient. Stretch it as if you are giving it to Écoutez me. Écoutez le secret. Listen to the secret. Bon, maintenant regardez. Look. Entre lui et moi, qui est supérieur? Between him and I, who is superior? Qui peut répondre? Hein? La main qui donne, hein? The hand that is cette giving. Main devient quoi? Est-ce que vous connaissez ce que ça signifie? Do you understand what that means? Pour une fois, Dieu devient inférieur à toi. For once, God becomes inferior to you because you are given to God. Pour une fois. For once. Dans ta vie. In your life. Dieu devient quoi? God becomes what? Parce que le panier ici. Inferior. Représente quoi? Because la main the basket Dieu. Represents the hand of God. Le panier ici. The représente quoi? Basket represents the hand of God. C'est pour cela Dieu dit. That's why God D'abord, said. D'abord il dit dans Esaïe. He said in Isaiah. Je ne partagerai jamais ma gloire avec une personne. I will never share my glory with a man. C'est pour cela il dit. That is why he says. Donnez. Give. Il vous sera quoi? And he will be given sera quoi? To you. Dans votre outre une bonne quoi? Serré. That a good bosom will be poured upon you, shaken together, running over. Parce que Dieu n'acceptera jamais qu'il soit inférieur à sa créature. That God will not accept for him to be inferior to his creation. Il est obligé de te bénir au centime. That he is obligated to bless you. Le manque de ce secret là qui te fait que tu m'humilies. That the lack of knowledge of this secret is why you don't give. C'est l'une des occasions de 2 minutes. So it is an occasion for 2 minutes. Qu'on te donne de devenir quoi? That you become superior. Supérieur à qui? To God. Et Dieu. And God. Comme il n'accepte jamais la défaite. Because he does not receive the il defeat. Il va prendre ton $5 que tu lui as donné. Take your $5. Il va le multiplier au centuple. You multiply them pour te prouver qu'il est quoi? To prove Dieu. That he is God. Apporte ton offrande, je vais prier. Bring your offering, your thanksgiving. Action de grâce ici. Thanksgiving. Construction là-bas. Construction. Retreat. Serviteur retraite ici. Apportez vite, je vais prier. Bring it and I will pray. Cours vite, cours vite, cours vite. Run. Si tu as les 3 enveloppes, dépose les 3 If enveloppes. You have the 3 of them. C'est pour une fois tu deviens. It is for once you become supérieur à Dieu. Superior to God. C'est dans l'offrande. It is in that offering. Une seule occasion. That thanksgiving. Que Dieu te donne que tu deviens supérieur à lui. That gives you to become. Et lui n'accepte jamais la défaite. Never accept Ma brosa takarababa. Hey, hallelujah. Il n'accepte jamais. He never accept the qu'il soit en dessous de l'homme. For him to be under Comment Dieu us. Sera en dessous de l'homme How qu'il a can créé? God become jamais. Inferior to the being that he created. C'est pour cela Jésus, hein? That's why Jesus. On vient d'arrêter pour l'impôt. That they came and arrested him because he did not pay his taxes. Pierre, il faut que tu payes l'impôt. They said, you have to pay your taxes. Pierre dit, on travaille pas. Comment vous payez l'impôt? I do not work. How do you want me to Pierre pay? Pierre va payer l'impôt. God will pay the taxes. Jésus dit, ok. Jesus said, tu es pêcheur, non? You are prends ton hameçon. A fisherman. Va où? Go take your fishing stuff and go and Jette là. Go. Et Pierre attrape un poisson. Pierre cache Il est venu avec le poisson vers Jésus. And he came with the fish. Où est l'argent? Where is the money? Jésus dit ouvre dans la bouche du. Jesus said open the mouth of the fish. Et dès que Pierre ouvre dans la gueule du poisson, il trouve quoi? He found what? Et Jésus dit quoi? And God said, Jesus paye. Said, go pay the taxes. Il ne peut pas accepter. Dieu, notre Dieu, n'accepte jamais. God never accepts defeat. Dites amen. Say amen. C'est pour une fois. For once. C'est pour cela que j'ai dit. That's what I'm saying. Si tu n'es pas convaincu. If you are not convicted or convinced, do not give. Amen. Amen. Parce que ce verset-là ne s'accomplira jamais dans ta vie. Because that scripture will never come to tu pass. N'es pas convaincu. Because you are not convinced. Ne donne pas. Do not give. Et quand tu ne donnes pas aussi. But when you do not give, pas. Do not also murmur. Amen. Amen. Tu n'as pas aussi la possibilité de donner. Ne you murmure pas. Lack how to give. Do Alors, not murmur. Élève les mains. So lift up your hands. Vers ton offrande. Bring it Et que le Dieu à qui tu as donné. And the God to whom you gave. C'est Dieu là qui est devenu comme.
subalterne à toi. Que ce Dieu-là t'éprouve qu'il est Dieu. Qui n'a jamais été subalterne en face de sa créature. Et il ne le sera jamais. Notre Dieu est notre Père. Toi qui as demandé l'offrande à Israël. Pendant qu'il était dans le désert. Ce soir, tu connais ton peuple qui est dans le désert. Qui est dans des problèmes, Seigneur. Mais qui ont obéi à ta parole. Et ils ont donné, Seigneur. L'action de grâce, Seigneur. Et la construction de ton temple, Seigneur. Tu es Dieu qui ne ment jamais. Tu es fidèle à ta parole. Laisse que ta bénédiction soit dans leur maison, Seigneur. Que la pauvreté soit éloignée de leur vie. J'éloigne la pauvreté de leur cage. Et je bénis leur travail. Que leurs mains soient bénies à jamais. Que cette offrande parle en leur faveur. Comme l'offrande du centenier a parlé à sa faveur. Et que ton nom soit célébré à jamais. Dans le nom de Jésus, nous te prions ainsi. Et toute l'assemblée nous te disons. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Glory to God. Nous acclamons le roi de rois. Let us put our hands together to the Lord. Nous acclamons Jésus. Let us put our hands together to Jesus. Qui a été béni ce soir? Qui a été béni ce soir? Bien-aimé. Beloved. Il n'y a que dans la présence de Dieu. It is only in the presence of Almighty God. Nous pouvons écouter ce chose. That we can listen to Il n'y a que dans la présence de Dieu. Only in the presence of God. Que nous pouvons retrouver une telle joie. That we can receive such type of joy. Que le Seigneur soit glorifié. May the name of the Lord be blessed. Nous nous excusons en tout cas pour l'heure. We apologize for the time. Encore une fois, veuillez nous excuser pour la gloire de for Dieu. For once. We are sorry. Nous allons rappeler, nous communiquer rapidement. Quickly, we will call our announcements. Le mardi, Tuesday, de 9h à 11h, 9 to 11 in the morning, nous avons chaîne de prière en cellule. Our morning prayer here. Nous avons entendu l'enseignement de ce soir. We heard the teaching of today. C'est dans la prière It is in prayer que les choses vont changer that dans things nos vies. Will change. Alors le mardi, so on Tuesday, de 9h à 11h, from 9 to 11 nous avons chaîne in the morning, de prière en cellule. We have our morning prayer. Le mercredi, Wednesday, pour ceux qui travaillent les avant-midi, for those who work in the, before the evening, de 18h30 à 20h, from 6 to 8 p.m., nous avons intercession we en have ces lieux. Our intercession here. Et ceux qui travaillent les après-midi, for those who work at night, de minuit 30 à 2h du matin, 12:30 a.m. to 2 nous avons intercession we en ces have lieux. Another intercession here. Le vendredi, Friday, les avant-midi de 9h à 11h, 9 to 11 in the nous avons chaîne de prière en ces lieux. Morning prayer, et le même vendredi, same Friday, de minuit 30 à 3h du matin, 12:30 to 3 a.m., nous avons la veillée agressive. We have night vigil. Bien aimé, ce que nous avons entendu. Beloved, what we have heard, venons à la veillée. Let us come to the night vigil, et nous allons sérieusement prier. And we will pray seriously. Et le samedi, and on Saturday, de 18h30 à 20h, 6 p.m. to 8 p.m., nous avons une prière forte en ces we have a day of prayer. Et le Seigneur fera de grandes choses. And the Lord will do mighty things. Que l'Éternel soit glorifié. May the name of the Lord be blessed. J'aimerais rappeler, I want to recall, nous aimerons rappeler recall, pour les partenaires de Jésus, for the partners of Christ Jesus, ce que tu as résolu à donner à what ton you have Dieu resolved in your heart to chaque give to mois, Lord, every month, fais-le pour la gloire de do Dieu it for the glory of God. Et pour le social, and for the social, le social c'est ton affaire, is my, is your, c'est mon affaire, your business, my c'est notre business. Affaire à tous. It is our business all together. Alors j'aimerais nous inviter so I want to invite us à contribuer aussi to contribute dans le social, in social affairs. Et le Seigneur sera glorifié. And the name of the Lord will be blessed. Bénissons le Seigneur pour ce qu'a été ce culte. Et le jeudi, j'allais oublier. On Thursday, pour le jeudi, on Thursday, nous avons des affermissements. We have a teaching. De 9h à 11h, il y a une classe d'affermissement from 9 to 11 qui in the a morning, déjà commencé. In the morning that has already begun. Alors, si tu n'as pas reçu les, si tu n'as pas encore reçu les enseignements, if you have yet to receive your nous teachings, sommes un ministère d'enseignement bien-aimé. A ministry of teaching. Inscris-toi dans cette classe d'affermissement. Join in that teaching session. Et tu seras suffisamment enseigné. And you will be rightly taught.
taught. Je disais, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'a été ce culte. Bless the Lord for what was this. Lui qui a commencé service. Avec nous comme Alpha. He began with us with, as il Alpha. Il a cheminé avec nous comme Emmanuel. Continue as Emmanuel. Et nous sommes arrivés à la fin par and sa now grâce. We are at the end of, qu'est-ce que by nous his pouvons grace. Donner à ce Dieu? What can we give to this si God? Que lui dire merci. If only to say thank you. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Nous t'acclamons Jésus. Papa, nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Chantons Hosanna. Hosanna. Et alléluia. Père, dans le nom de Jésus. Father, in the name of Jesus. Nous te disons merci. We say thank you. Nous te disons merci. We say thank you. Merci éternel Dieu de gloire. Thank you, Lord of glory. Parce qu'il n'y a que dans ta présence. Because only in your presence. Que nous pouvons écouter ces choses. We can hear such things. Il n'y a que dans ta présence. That only in your presence. Que nous pouvons être bénis de la sorte. That we can be blessed of such a manner. Il n'y a que dans ta présence. Only in your presence. Que nos familles sont délivrées. That our family will be delivered. Que nos maisons sont délivrées. That our homes are delivered. Que nos vies sont délivrées. That our lives are delivered. Voilà pourquoi nous te disons merci. That is the reason why we say merci, thank you. Seigneur, pour ce culte. Thank you for this parce service. Que tout celui qui était venu en ces because lieux, each of us who came, la tête courbée. The head bowed. Seigneur, en ces lieux, Lord, in this place, tu as redressé nos têtes. You have lifted up our voilà pourquoi nous te disons merci. That's why we thank you. Père, dans le nom de Jésus, Father, in the name of nous voulons Jesus, te recommander nos vies. That we want to nous voulons te recommander nos familles. Our families. Seigneur, nous voulons que ce que tu as fait descendre en ces all lieux that you have done come upon nous accompagne jusque dans nos demeures. May lead us on to our que nous ne puissions pas seulement nous limiter à écouter that Jésus, not limit ourselves to hear mais que nous puissions la mettre en pratique, but we put them into practice. Afin que les portes s'ouvrent dans nos those can open in our parce que c'est toi le Dieu d'amour. You are the God of glory. Père, dans le nom de Jésus, Father, in the name of nous voulons Jesus, te recommander notre chemin de retour. To leave our ways back que notre home chemin de retour soit tapissé our par ton sang. Home, que tes by anges campent tout autour may de the nous. Camp around et que ton sang éternel, mon Dieu, mon roi, tapisse nos chemins. Que ton sang nous rende invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Cher Saint-Esprit de Dieu, dear Holy Spirit, nous t'appelons. We call on you. C'est toi l'ami fidèle. You are the faithful friend. Nous avons entendu. We have heard. Mais nous voulons que toi seul, but we want tu, that you alone, tu puisses faire en sorte you allow that que cette parole puisse germer dans nos vies. Grow and, que cette parole apporte de fruits dans that nos vies. Bring forth que cette parole éternelle, mon Dieu, mon roi, this word, oh Father, apporte quelque chose de nouveau. Bring a change in our parce que c'est toi le Dieu fidèle. You are the faithful, lorsque nous allons nous retrouver le dimanche prochain en ces lieux, c'est pour te célébrer. Parce que tu vas donner à tout un chacun de nous un témoignage. You will give to each of us par rapport à ce que nous avons entendu en ces lieux, tu vas donner today, des témoignages are, à chacun de nous. Parce que toi, tu es le Dieu d'amour. You are the God of love. Laisse que ton nom soit béni. Allow that your name be laisse que ton nom soit célébré. Allow that your name be toi le Dieu des dieux. The God of God. Toi le Seigneur de the seigneurs. Lord of lords. Toi le Dieu tout-puissant. The Almighty le God. Dieu qui ne connaît ni ombre de variation. The one who does not change.
Gloire à toi, Jésus. Glory be unto you, Jesus. C'est en ton nom avec action de grâce in your name with thanksgiving, que nous avons ainsi prié. That we have prayed. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus Christ. And praise to you, our God. Amen, amen. Amen and amen. Allons dans la paix du Seigneur. Let us go in the peace of our mighty God. God is. Spread those hands. Spread those hands. Spread those hands. Spread those hands. O tua kachine kanyi dio. Your God is not very big. Spread your hands one more time. Spread your hands. Spread your hands. If you know how big the miracle you received in the next 5 months will look like, you have already received it already. But if you know how big it is, just spread, spread. Are you ready? Oh, tua kachine kanyi dio se.
do it one more time. Uh-huh. But this time, as you are extending that, now so extra zeros going to enter your account. Yes, so get ready. Carry enough air in your something. Spread those hands. Throw your hands back. Are you ready? Otua kachine kanyidi. You say. Watch me. Say, Agiriba! Agiriba! Make sure you're moving forward wherever you are in your house. Start looking for those areas where you want miracle to happen. Agiriba! Agiriba! Even for our children, their God is very big too. Agiriba! 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 Some of you are not moving forward. I say,